Salut à tous! Alors, ce soir, je vous fais une petite vidéo en fait en guise d'introduction pour vous expliquer un petit truc. C'est que, en fait, sur la précédente vidéo, là, sur les signes du printemps, donc j'ai fait une balade et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de choses, plusieurs petites choses. Donc, j'ai pas tout mis en fait pour que la vidéo sur les signes du printemps porte vraiment sur les signes du printemps. Mais du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai découvert pendant cette balade. Donc, en fait, j'étais assez loin et j'ai vraiment cherché la prime vert assez loin. Et du coup, comme j'ai fait du chemin, j'ai rencontré plusieurs petites choses que je tenais à vous montrer. Donc, je les ai filmées. Et donc, je vais vous les montrer dans cette vidéo. Voilà. Alors là, on en a une qui est intéressante, c'est le pissenlit. Comme je vous disais, la fleur de pissenlit, là, que j'ai vue fleurie. Hein? Alors je sais pas si on voit bien avec la lumière, tout ça. Enfin peut-être que je réduise un peu. Le pissenlit, là vous voyez là, la fleur. Il est en train de faire d'autres fleurs, un petit bouton là. Surtout sa feuille, elle est caractérisée comme ça. Alors je vais lui en arracher une. En fait elle longe le sol. Elle fait pas comme certaines plantes où elles font des feuilles comme ça là. Et c'est vraiment une feuille qui longe le sol. Et donc là, c'est une feuille dentée là comme ça. Avec des dents en triangle, donc une feuille très pointue avec des dents en triangle. Il n'y a pas de poils dessus. Et puis après sur la base, en fait, les dents sont assez irrégulières. Donc on peut la reconnaître comme ça, avec donc des feuilles vraiment qui longent le sol et puis bon bah après qui partent un petit peu comme celle-là là, mais vraiment elle fait pas une feuille aérienne comme ça quoi. Voilà pour le pissenlit. Alors après bon, comme je vous dis, moi je suis pas la bibliothèque des vertus. Donc je peux vous donner quelques vertus, hein. Je sais qu'elle est très bonne pour détoxifier le foie. Et puis elle a également d'autres vertus. Elle peut se manger en salade. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à faire avec le pissenlit. Bon là après il est fleuri, donc il a moins de vertus quand il est en fleur forcément, quoique j'en sais rien en fait. Mais les fleurs de pissenlit peuvent se manger aussi. En tout cas, bon même s'il n'y a pas les fleurs, on peut les reconnaître en fait grâce aux feuilles. Bien spécifique. Voilà. Donc on va aller voir les primes verts. J'ai été regarder sur internet pour voir à quoi ça ressemble parce que j'en ai trouvé une autre un peu plus loin là, de petites fleurs jaunes. On m'a dit que c'était des petites fleurs jaunes avec des feuilles vertes. Bon, feuilles vertes c'est un petit peu partout, mais alors ça c'est pas de la prime verte en fait. Je crois que c'est du bouton d'or, mais j'en suis pas certain. Je vous incite à vérifier. Les spécialistes me corrigeront. Donc je sais pas ce que c'est, celle-là avec une feuille en cœur, là comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était enfant, ouais, avec le pollen là, le pollen au milieu de la fleur. Alors c'est dommage parce que j'arrive pas à faire de focale là pour être net, mais voilà. Ouais, donc si vous vous souvenez, le bouton d'or, c'est celle qu'on mettait sous le menton. On disait, tiens, t'aimes le beurre ou t'aimes pas le beurre? Et on vérifiait avec le bouton d'or. Et si le dessous du menton était jaune par le reflet du bouton d'or, en fait, c'est qu'on aimait le beurre. Voilà. Donc après, alors je sais pas si c'est une plante, on peut en faire des pigments. Je sais pas si c'est vraiment son nom, le bouton d'or. Je sais pas si. Si elle est comestible, mais elle est intéressante et on en trouve pas mal de celles-là en fait. Donc voilà. On va aller se diriger sur les primes verts et je vous retrouve là-bas. Bon, alors je profite de ma petite balade en fait pour. Voilà, pour parler de choses intéressantes que je vais trouver sur le chemin. Donc là, on a un pylône électrique. Et en fait, autour de ce pylône, il y avait un énorme buisson d'arbres, d'arbustes. Comme vous voyez là, vous avez un gros tas de bois partout autour là. Enfin un gros tas de bois. On voit du bois par terre partout autour. On voit des arbres qui ont été coupés. Hein? Et donc tout le bois a été calé ici. Alors non seulement on a des bûches qui peuvent servir pour. Là on a un joli siège là. Qui peuvent servir pour la cheminée, pour n'importe quoi. On a un énorme tas de bois là ici, vous voyez. Donc pour faire mon paillage, alors je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment je fais le paillage.
Du coup, pour faire mon paillage, je vais pouvoir venir ici. Alors, il y a aussi beaucoup de ronces. Bon, après, moi, j'ai pas de cheminée, mais à la limite, on pourrait cramer des ronces, hein, pourquoi pas. On pourrait. Voilà, là, on a un joli tas de bois dont on peut faire un peu ce qu'on veut, en fait, finalement. Hein. Après, je sais pas si ça va être récupéré. Je sais qu'il y a un bois, qui est, un arbre qui a été coupé parce que. Parce qu'il était tombé en fait d'ailleurs. Il était tombé donc ils l'ont coupé et toutes les bûches ils ont été récupérées. C'est des gros morceaux. Hein. Mais bon là c'est un petit peu zone déchets verts. Voilà, si ça se désintègre pas. Si ça met du temps à se désintégrer, bon moi je vais venir un petit peu en récupérer parce que. En plus là au soleil comme ça, ça sèche bien, ça va pas moisir. Donc c'est impeccable. Voilà. Voilà, comme je vous dis, je vais profiter de tout ce que je croise sur le chemin pour vous faire des petites identifications de plantes que je connais. Donc là, un buisson qui fait des fleurs jaunes. On en a deux types. On a le genêt et l'ajonc. Et le truc qu'on m'a appris en espace vert, une personne un petit peu âgée, quarantaine, je me rappelle plus, qui m'avait donné cette astuce, comment on reconnaît le genêt de l'ajonc, c'est que le genêt il fait des feuilles qui ne piquent pas, alors que l'ajonc il fait des pics là comme ça partout autour. Donc ça c'est un ajonc. Et les ajoncs on en a partout, tout du long là. Voilà, on en a plein, on en trouve aussi sur le bord des routes. Voilà. Et donc l'ajonc, en fait, il va faire comme fruit après la fleur là. Alors je crois que la fleur de genêt, effectivement, on peut s'en servir pour les pigments. Parce que je m'étais intéressé aux pigments naturels un petit peu. Bon, je connais pas tout, hein, mais puis en plus c'est loin, donc j'ai plus trop les informations en tête. Mais il me semble que la fleur de genêt et d'ajonc peut servir au pigment. Hein, donc, là, il y a vraiment tout le long là. Bon, après là c'est le dernier buisson. Et donc il va faire un fruit en fait, bah, comme toutes les plantes. Il va faire un petit peu une cosse, hein, comme les petits pois, avec des graines dedans. Donc voilà, on peut aussi le reconnaître quand il est en fruit. En fructification avec ce fruit là. Voilà. Alors là c'est la petite balade le long du canal. Voilà, donc il y a un chemin tout le long qui suit le canal. Alors je sais pas si on voit bien là à travers les arbres. On voit que de l'autre côté le champ là c'est complètement inondé en fait. Alors j'ai de la chance parce que le champ par où je viens de passer il est pas inondé, mais de l'autre côté si, il l'est carrément. Et bon bah ça c'est des champs de vaches en fait, hein, des champs de pâturage où les vaches, bon là ils y sont pas parce qu'il fait un peu froid, mais voilà. Alors là on a un arbre avec, ça doit être sa fleur, voilà, je sais pas ce que c'est, c'est assez rigolo. Des petits pompons là comme ça. Alors là je suis en train de me faire une petite récolte de pissenlits parce que je me dis que ça va être pas mal de me faire une petite détox. Et là on a un plantain lancéolé. Alors le plantain il se caractérise par voilà, sa feuille comme ça. Alors la forme de la feuille peut changer, mais surtout il a des nervures. Bon, celle-là elle est trouée, et vous voyez là sur celle-là on a vraiment des nervures tout le long. Si on la retourne, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et donc ça, c'est un plantain. Alors, c'est une très bonne plante, hein, le plantain. Comment dire, cicatrisant en externe. Par contre, je suis pas sûr qu'il soit antiseptique, celui-là. Mais cicatrisant, c'est sûr. Et puis diurétique aussi. Alors, la majorité des plantes comme ça, en fait, elles sont assez amères. Le pissenlit, on peut le reconnaître aussi, vous voyez, il a un jus blanc comme ça quand on coupe les feuilles et les fleurs. Mais la majorité des plantes comme ça sont assez amères.
Alors après, je vais pas tout arracher en fait, je vais lui laisser quelques feuilles pour que la plante survive, c'est aussi ça le respect de la nature, hein. C'est qu'on peut se servir, mais voilà, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et puis bon, bah là j'ai une petite poignée, et puis je vais en récolter d'autres ailleurs en fait, sur d'autres pieds de pissenlit, 2-3 feuilles sur chaque pied, et puis comme ça ils peuvent continuer à vivre. Et voilà. Donc ouais, la majorité des plantes comme ça est assez amère. Moi je vous conseille de mettre du miel avec, pas du sucre, mais du miel, pour corriger en fait un petit peu l'amertume des plantes. Et puis peut-être que le miel en fait permet d'absorber les vertus des plantes, puisque le docteur Jean Valnet, dans son livre sur l'aromathérapie, conseille de mettre les gouttes d'huile essentielle sur le miel en fait, sur du miel plutôt que sur du sucre. Sur du sucre comme des comprimés neutres en fait, hein, des choses neutres qui vont se digérer et qui vont circuler dans le corps assez facilement en fait. Voilà, donc en fait qui vont emmener avec eux les différentes molécules, vitamines et propriétés des plantes. Voilà, je vous fais pas trop un topo là-dessus, mais c'est des choses à savoir en fait. Je vous conseille le docteur Jean Valnet, j'ai un blog jv-lfc.blogspot.fr, je crois. Je vous mettrai le lien en description, où il y a des choses très intéressantes sur les vitamines, sur l'alimentation en général. Donc celui-là, c'est sur les fruits, les légumes, les céréales. Et puis il en a deux autres qu'on peut acheter aussi, qui sont phytothérapie et aromathérapie, et je vous mettrai les liens en description. Voilà, on continue. Alors, au cas où vous pensiez que les pêcheries se trouvent uniquement en bord de mer, on en trouve aussi sur les cours d'eau. Voilà, donc là elle n'a pas le filet, mais elle a bien l'installation, il y a juste à mettre le filet dessus. Et puis elle sera prête à pêcher. Voilà. Ah, la nature, c'est aussi les animaux. Et là, on a un champ avec quelques chevaux. Voilà. La prime vert est censée être dans ce coin-là. Donc je vais essayer de vous la trouver. Ah, je fais une petite pause à cet endroit-là parce qu'en fait c'est un endroit où j'étais venu me poser, qui est vraiment super sympa. Alors au-dessus de l'arbre, là, on voit qu'il y a un petit chemin. Il y a même tout un endroit là pour se poser. Et par rapport au chemin, pour se poser sur la pelouse le long du canal. Et cet endroit, je saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est vraiment agréable en fait. Bon, alors là c'est un petit peu boisé, donc on va pas trop le voir du pont. Mais en fait on va y aller. Alors, là il y a le petit passage. Je regarde un petit peu autour en fait, parce que bon, la prime verte est censée être par ici. Je vois du pissenlit, impeccable, je vais récolter ça après. Ah, alors là on a une petite fleur bleue. Alors c'est peut-être aussi un des signes du printemps, pourquoi pas. Je me demande si c'est pas de la véronique. Ça y ressemble. Bon, la véronique j'en ai plus, mais j'en ai eu. Ou alors, si certains reconnaissent cette plante, eh bien, je vous invite à le mettre en commentaire. La petite fleur bleue. À savoir que la fleur bleue, je sais plus qui a écrit ça en littérature, mais que c'est pas une question de, c'est pas tellement une histoire de pouet-pouet, d'homme gay et compagnie. C'est une question de spirituel en fait. Alors peut-être que je vous mettrai le lien en description. Là, c'est un petit peu gadoué. Je vous mettrai le lien en description, mais j'ai appris ça. C'est quelqu'un en littérature qui est assez connu d'ailleurs, dont le nom est assez connu. Et oui, il avait écrit là-dessus. Donc le côté fleur bleue, finalement, c'est quand on est assez spirituel. Voilà, c'est intéressant. Ah oui, voilà. L'endroit. Donc là, c'est le chemin là qui part au-dessus. Donc après ça va sur une propriété, je vais pas aller, mais
Voilà, là aussi, on a un beau petit endroit pour se poser. Je me rappelle que j'avais fait une méditation là sur la petite butte. Voilà. C'est joli comme tout, avec le petit cours d'eau là. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais on voit le courant en fait. Puis alors, l'arbre au-dessus, avec une souche ici, enfin une souche, un tronc qui a. Je crois qu'il a été déraciné ou coupé. Mais alors, en vrai, c'est vraiment joli comme tout. Et je suis sûr que peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez trouver des petits coins comme ça, sympas comme tout. Voilà, donc je vous invite à vous balader à travers champs, un peu en mode aventure, quoi, en mode exploration. Mais c'est vraiment en mode exploration que j'ai découvert celui-là. Donc je vous invite à vous balader comme ça. Bon, je pensais pas aller aussi loin. J'ai toujours pas trouvé la prime verte, mais je vais m'acharner. je vais finir par la trouver. Parce qu'on m'a dit qu'il y en avait en fait. On m'a dit qu'il y en avait, donc. Voilà. Et de l'ortie. Alors ce qui est vachement bien ici, c'est que c'est sur un bord de chemin, c'est pas sur un bord de route. Donc là on peut s'amuser à ramasser de l'ortie. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a déjà des gens qui ont été en ramasser, hein, parce que là elle est en train de faire. Alors soit elle pousse comme ça. Mais je vous avais parlé dans la vidéo sur les boutures de couper l'apex des plantes. Et quand on récolte les têtes d'ortie, en fait elle repart en deux tiges. Alors là, j'essaie de montrer bien. Voilà, elle est en train de partir en deux morceaux de fleurs, mais en fait c'est peut-être la tige qui va partir au centre tout simplement. Et qui fait des feuilles sur les côtés. Donc voilà, l'ortie c'est pareil, une super plante minéralisante, diurétique. Donc diurétique en fait c'est qui évacue par la vessie. Dépuratif aussi. C'est un petit peu dans le même genre. Après je saurais pas trop vous dire la différence techniquement, mais dépuratif, diurétique, c'est vraiment les plantes qui vont vous permettre de vous nettoyer. Donc ça associé au pissenlit c'est super. Et puis je vais en profiter pour me prendre des petites doses de coriandre parce que ça va permettre d'évacuer les métaux lourds, donc de décoller les métaux lourds. Donc en fait le principe, comme j'avais fait un article dessus d'ailleurs que je vais vous retrouver, où comment dire, j'explique un petit peu la méthode pour se désintoxiquer des métaux lourds. Après ça peut être intéressant aussi de trouver des comment dire, on a vraiment un beau buisson d'ortie là. Ça peut être intéressant de trouver des plantes qui vont permettre d'évacuer en fait, qui vont permettre d'évacuer au niveau des graisses, parce qu'on sait que les toxines se stockent dans les graisses. On sait que les toxines se stockent dans les graisses. Et du coup ça peut être intéressant d'évacuer ces toxines qui sont stockées dans les graisses. Alors je sais pas si la coriandre le fait, mais je vais rester là parce que je vais parler d'un autre truc. Je sais pas si la coriandre le fait, mais en tout cas ce qui est pas mal c'est d'évacuer ça et ensuite d'utiliser justement les dépuratifs et les diurétiques pour les évacuer du corps par les sorties, hein, la vessie et le côlon. Et puis une fois que ça c'est fait, justement c'est là où on va prendre du pissenlit. Alors l'aloe vera peut le faire aussi, c'est pour nettoyer le foie en fait. Parce que le foie il va en fait quand les toxines vont circuler, il va les nettoyer, il va faire tout un travail comme ça. Et du coup c'est important après de nettoyer le foie en fait pour qu'il se régénère, pour qu'il reprenne son fonctionnement normal. Voilà. Alors par contre faut savoir que quand vous faites des désintoxications comme ça, vous allez vous sentir mal et c'est normal en fait. C'est pas les plantes qui sont mauvaises, c'est parce que les toxines se remettent à circuler dans votre corps, donc forcément elles reprennent leur effet quoi. Donc c'est l'effet de ces toxines finalement qui va vous causer de la négativité. Mais une fois qu'elles sont évacuées, c'est bon quoi. En fait, vous avez passé 1, 2, peut-être 3 jours à en chier un petit peu, mais une fois que ça s'est fait, vous êtes propre en fait. Voilà. Alors là, je me suis arrêté au pied d'un chêne.
On a un tas de glands par terre. Bon, alors ils datent de l'année dernière, hein. Donc ils sont un petit peu écrasés, cassés, voilà. Simplement pour vous dire qu'en fait, on peut faire de la farine de gland. Alors que d'abord, il va falloir enlever le tanin en fait qu'il y a dedans. Donc, je sais pas si on peut utiliser un principe de torréfaction, peut-être. En tout cas, on va les faire bouillir les glands pour enlever le tanin qu'il y a à l'intérieur. Et puis ensuite, on va pouvoir les faire sécher, les moudre et faire de la farine. Donc on peut faire de la farine de gland comme ça, c'est assez intéressant, j'ai jamais essayé, mais franchement, si j'avais du temps et le matériel, ce que j'ai en fait, hein, c'est juste une question d'imagination, d'y penser, de récolter des glands à un moment donné, et puis après bon, la farine, on peut essayer de faire un pain avec. Mais du coup, ouais, je me dis que ça peut être intéressant d'essayer de faire ce genre de choses. Voilà, là, tout ce qui est par terre, là, il y a pas mal de cailloux, mais il y a aussi pas mal de glands. Alors, je vous fais un petit tour, là. Alors, autant il y en a avec leur coque et sans leur coque. Et on dit souvent jeune con, jeune gland, mais n'oubliez pas que petit gland deviendra grand chêne. Voilà, c'est pas que je veux faire le moralisateur, mais mes petits glands deviendra grand chêne s'il est planté en terre, c'est-à-dire s'il est dans un environnement favorable. Parce que bien sûr, là, il n'est pas planté, donc ils sont tous morts. Mais voilà, un gland, on le plante, et au bout de quelques années, magnifique. Et donc pour le tanin, quand même, il y a une petite histoire que les plantes communiquent entre elles. Alors là, je vais pas vous faire le détail parce que sinon je fais une vidéo de 2 heures, mais au bout d'un moment. Mais allez écouter Francis Allais. C'est un scientifique, un biologiste, botaniste. Je connais pas trop le nom de sa formation, mais en tout cas, il étudie les plantes, il étudie les arbres. Surtout, et il nous donne beaucoup beaucoup d'informations sur les arbres. Par exemple, il nous dit que les arbres sont immortels. Et en fait, par rapport au tanin, c'est qu'ils ont découvert. Alors, je sais plus avec quel arbre, mais que en fait, les arbres ont un système de défense. Donc, finalement, le tanin, c'est le système de défense du chêne. Mais il y a d'autres arbres qui ont d'autres toxines comme ça pour fonctionner. Face aux prédateurs en fait, aux animaux qui vont venir manger leurs fruits ou leurs feuilles. Et il nous explique du coup comment font les plantes pour communiquer entre elles. C'est-à-dire que là par exemple, je sais pas, vous imaginez, vous avez une forêt de chênes, et puis à un moment donné vous avez un chevreuil, il commence à manger des feuilles. Et en fait le chêne il va commencer par produire du tanin, et puis il va aussi envoyer dans l'air des enzymes, des pollens. Enfin bon, le pollen c'est spécifique plus à la reproduction sexuelle des plantes. Mais en tout cas il va envoyer des enzymes pour communiquer avec les autres arbres. Et puis peut-être aussi par le réseau racinaire, parce qu'il nous apprend aussi que finalement les arbres ce sont des colonies. Donc je vous laisse chercher les infos là-dessus. Donc du coup il communique les enzymes à ses voisins pour les prévenir que attention, là on est en train de se faire manger, donc on va envoyer des toxines. Et puis le chevreuil après c'est pareil, hein, tous les animaux, l'humain il a un peu perdu ça, mais tous les animaux ont de l'odorat. Donc à un moment donné le chevreuil il sent aussi l'air qui est un truc bizarre, et donc il va plutôt aller ailleurs. Voilà. Donc toujours à la recherche de la prime verte. Alors là j'ai fait 3 pas en arrière parce qu'on arrive sur un endroit qui est aussi sympa comme tout. C'est une pêcherie. Vraiment une jolie cabane. Alors celle-là m'a l'air assez récente. Alors juste je voulais vous montrer, là on a un petit chemin forestier. Ça je sais pas ce que c'est en fait. Peut-être pour empêcher les camions, les choses comme ça de passer. Et on voit que c'est vraiment fait. C'est pas que c'est fait à l'arrache, mais. Voilà, c'est pas hyper circulaire, hein, c'est pas régulier, mais ça fonctionne quoi. Là on voit, c'est enfoncé dedans. C'est pas hyper régulier, hein, d'accord. C'est pas conique, mais ça fonctionne avec les vis là comme ça. Et puis bon, ça tient. Hein.
Alors par contre, je sais pas à quoi ça sert, donc pour se reposer peut-être un peu, je sais pas, pour empêcher un passage de camion ou... Puis alors là, on va vers un chemin forestier, alors là, c'est exploration totale, quoi. C'est là, on est en dehors des sentiers, en fait. Donc, je me tâte à y aller, en fait. Là, j'avance un petit peu parce que je viens de voir une planche qui est assez sympa. Et je me tâte à y aller parce que là j'ai le retour à faire en fait. Et c'est que je vais être. Je risque d'être fatigué après. Je vais juste aller faire un tour après pour voir ce que ça donne. Et un jour je reviendrai ici pour me balader. Peut-être demain, peut-être. Voilà. Donc en fait, je voulais juste vous montrer la pêcherie. Bah, finalement, comment on construit une cabane. Hein, alors, comment on construit une cabane dans le détail. J'ai pas le détail, mais alors ça on appelle ça le bardage, le côté là. Qu'en fait ce sont des planches hein, qui sont comme ça inclinées. Hein, elles sont inclinées comme ça. Et puis elles sont un petit peu posées comme ça, inclinées les unes sur les autres, un petit peu comme des tuiles finalement. Alors après bon il y a une base ici de charpente. Poteaux et tout ça, et puis au-dessus on a, alors au-dessus vous voyez on a une plaque métallique ondulée qui est aussi inclinée en fait hein. C'est assez légère, c'est légèrement incliné en fait pour pas que l'eau elle stagne au-dessus et que finalement elle coule bah comme ça en biais. Oui, alors si je filme comme ça forcément et que je pars de la plaque on va pas la voir, mais bon elle est légèrement inclinée pour l'écoulement de l'eau. Et puis bon, ça c'est une poutre, mais à la limite, j'aurais pu penser que c'était une sortie une sortie d'évacuation de fumée, hein, pourquoi pas. Voilà, donc en fait c'est une pêcherie, donc là c'est une association qui a réalisé ça. Donc voilà, par exemple, couverture de pente, mât en larmes pour la pêcherie, et puis on a aussi des identifications de poissons, c'est sympa. Et je pensais pas, mais on me dit qu'il n'y a que des poissons-chats dans ce canal, mais il y a aussi du cendre. Alors c'est pas la cendre, c'est le cendre. Je pensais qu'il s'écrivait la cendre, mais non. Là on a des perches, on a des gardons, des carpes, des brochets, des brennes, que je connais pas. Et des anguilles, voilà. Bon après, oui, au fur et à mesure de la pêche, forcément il y a des espèces, il y en a de moins en moins. Donc on trouve beaucoup de poissons-chats parce que finalement à chaque fois on les relâche. Mais bon, peut-être qu'avec de la chance et puis peut-être en faisant des élevages finalement on peut comment dire, je vous mets le texte si vous voulez lire pendant que je parle, on peut quand même avec de l'élevage finalement favoriser la reproduction. Voilà. Tiens, d'ailleurs le verrou est enlevé, alors je crois que c'est même pas fermé en fait hein. Ah ouais, c'est ça, c'est ouvert. Ah bah voilà, bah on va pouvoir voir l'intérieur de la pêcherie, l'intérieur de la cabane. Donc vous voyez en fait le bardage à l'inverse là. Hein ? Je pensais pas que c'était ouvert. Et donc ça pour remonter la pêcherie. Alors après, bon là c'est une pêcherie, mais on pourrait se faire une petite cabane comme ça, fermée, avec les charpentes là. Ah là, c'est hyper simple. Bon alors tout est vissé là, hein. C'est pas cloué, c'est vissé. Mais voilà, c'est avec du savoir-faire un petit peu, un petit peu de matos. T'as là, c'est un petit clin d'œil là pour. Je viens de voir ça. Avec un petit peu de matos, voilà, on peut se démerder hein, et faire des choses super intéressantes. Ça, c'est très inspirant, franchement. Là, le sol, c'est pareil, hein, c'est du dur hein, quand même. Hein. C'est du costaud. Hein. Je sais même pas ce qu'il y a en dessous pour que ça tienne. Ben voilà, c'est hyper intéressant. Et alors juste, je voulais vous montrer un petit truc, on va refermer. D'ailleurs, c'est même pas fermé le verrou. Hein. Y a pas de cadenas, tranquille, normal, personne vient. Et j'espère que personne va venir foutre la merde là-dedans, parce qu'il y a des endroits où les gens foutent la merde. Et cassent tout, en fait. Voilà, donc là, en fait, l'instauration de la pêcherie, la réglementation. L'instauration ou la restauration de la pêcherie est possible sur la rive privée du canal opposé au chemin. Elle est soumise à une réglementation nationale stricte et précise. Les pontons simples ou pontons avec cabane sont soumis à autorisation selon certaines règles. Demandez l'accord du propriétaire riverain.
respecter le cahier des charges consultable à la mairie ou à la mairie annexe. Toute pêche est soumise à permis. À bord, merci de respecter les abords de la pêcherie et de ne pas y laisser vos déchets. Bon, alors, il y a des canettes de bière à l'intérieur de la cabane, mais j'ai retrouvé une bouteille juste à côté. Les enfants sont sous la seule responsabilité de leurs parents. Et le truc qui m'a intéressé, cette pêcherie a été restaurée à des fins pédagogiques à l'initiative du Conseil des sages de la ville. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un conseil des sages dans votre ville, alors si vous estimez être un sage, une personne qui s'intéresse à la nature et tout ça, moi c'est pas par prétention, mais à un moment donné je me dis que ça peut être intéressant quoi. Donc du coup je vais me renseigner sur le conseil des sages de ma ville, et puis bon, j'ai pas cherché à l'intégrer, mais si je peux donner des idées et puis aussi en prendre hein, finalement. Donc là voilà les enfants passage. Les enfants passage qui jettent leurs déchets, c'est pas bien. Hein, voilà, on va les mettre dans la cabane parce que là il n'y a pas de poubelle. Et je suis toujours à la recherche de la primaire. Je sais pas si je vais finir par la trouver. En fait je crois que je vais aller chercher ailleurs tout simplement. Donc je vais foutre les déchets là, je vais aller faire le petit tour en forêt et puis je vais revenir et j'irai en fait sur les crocus au cimetière directement. Bon, alors je me suis trouvé un petit copain. Hein, regarde, tu dis coucou ? Je me suis trouvé un petit copain le chat. Oh, il est mignon. Ouais, je suis en train de passer là, ils sont en train de remblayer, de refaire le trottoir. En fait, ils ont défoncé toutes les fleurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un quartier à côté, un panneau où c'est écrit. Éco-quartier, machin, maison 100% bio rentable et rentable au niveau énergétique, machin. Et puis en fait, je regarde dans les faits qu'est-ce qui se passe. On vire la végétation et on met du gravier, du béton. Enfin voilà quoi, à un moment donné, les panneaux c'est bien joli, les annonces de mairie c'est bien joli. Ouais, t'es mouillé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as quand même pas pissé dessus. Oh la vache, le con. Bah alors? Eh, tu te sens plus pissé en fait, le chat là. Et ouais, du coup, c'était pour dire, bah à un moment donné, les panneaux c'est bien joli, mais. Regardez la réalité, regardez les choses qui se passent dans les faits. Comme disait le Christ, on reconnaît un arbre à ses fruits, donc à ce qu'il donne, à ce qui se passe, voilà. Donc là je suis pas loin des crocus, donc va falloir que le chat il me laisse y aller, mais on va y aller. Alors je vais finir la vidéo comme ça, bon je suis un peu en contre-jour mais on s'en fout. Parce que sur le chemin du retour, là, 2-3 maisons, il y a des chiens mais hargneux comme pas possible. Tu passes à côté du grillage, ils aboient. C'est un petit peu comme s'ils disaient ouais, dégage de là, de toute façon même si je peux pas te mordre, je vais continuer de m'acharner sur toi, même si y a un grillage entre les deux. Tu sais, en fait, ça me fait penser aux gens sur internet tellement ils sont hargneux, qui passent leur temps à s'insulter, à être dans des conflits d'ego. Et à un moment donné, faut reprendre la réalité en face, il y a une barrière, donc voilà, bah vas-y, bah continue d'aboyer, et puis je m'en fous, quoi. Donc restez positif, c'est important, et puis faites comme les chats en fait, faites comme les chats à un moment donné, comme on discutait avec un copain, voilà le principe du j'en ai rien à foutre. Allez, bonne journée et restez positifs.